Stéphane, aujourd'hui, tu vas en surprendre plus d'un parce que tu nous montres qu'il y a moyen d'optimiser nos performances sportives en mangeant de la pizza. Tout est dans le choix des ingrédients qu'on va utiliser. On va avoir une protéine de très haut niveau, qui sont les œufs, et on va utiliser un fromage à 0 % en matière grasse. Mais reste à voir si ça va avoir bon goût. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Notre pizza minute contient 425 calories, 47 g de glucides et 38 g de protéines. Il est recommandé de la manger au moins 3 heures avant un match. Les ingrédients dont vous aurez besoin sont des œufs, de la sauce tomate, des champignons sauvages, du fromage allégro faible en gras, de la laitue roquette, des tomates cerises, de l'oignon rouge et un pita. On débute avec la sauce tomate qu'on étend uniformément sur le pain pita, puis on ajoute les légumes. On termine avec le fromage allégro qu'on place en forme de couronne afin de laisser un trou au centre pour l'œuf. Il ne reste plus qu'à mettre au four à 350 pendant environ 15 minutes ou jusqu'à ce que le fromage soit doré ou le blanc d'œuf bien cuit. Et voilà le travail! Tu sais, Stéphane, je m'entraîne beaucoup, puis pour moi, l'alimentation, c'est aussi important que l'entraînement. Et grâce à toi, je sais que je peux me cuisiner une bonne pizza, la manger sans culpabilité. Merci. On va la servir avec un jus de fruits ou une salade de fruits maison, idéal pour optimiser les performances. Merci. Ça fait plaisir.